drunk, ready or not. Yeah, show me what you got. I'm under the spotlight. I dare you, come on and follow. You dance to your own beat. I'll sing the melody. When you say yeah, I say no. When you say stop, all I wanna do is go, go, go. J'en ai racheté un. Bon, c'est du... Alors qu'on est là. Oui, on est allé. Allez, ça c'est fait. Elle ne prétend aucune place. Ouais, comme c'est parce que je me fais de l'effet. Bien sûr, la base. Qui est la plus susceptible d'aller en prison? Moi, c'est sûr, vous, parce que vous aurez suivi. Tout va partir de... J'ai une idée. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Je viens d'avoir une idée horrible. Qui est la plus susceptible de rire à une blague qui n'est totalement pas... Un, deux, trois. Tout. On se rappelle que juste avant, j'ai montré un papier, j'ai fait en dire une table. Qui est le plus probable d'oublier un anniversaire important? Qui est le plus susceptible d'arriver en retard à un rendez-vous? 1, 2, 3. Tu me dis être folle, déconne, je suis toujours à l'heure, voire en avance. Mais moi aussi, je suis toujours en avance, meuf. On commence à 8h, je prends le bus à 6h38. Alors, qui est le plus susceptible d'être de se faire un tatouage sur un coup de tête? 1, 2, 3. Meuf, j'en ai 4. Combien sont réfléchis? 0. Okay. Écoute. Tantôt on s'est dit viens, on se tatoue le cou sur le cul. Non, moi quand j'aurai refait mes 5, ce sera bien cicatrisé, je ferai un Made in China juste là. Juste en dessous. Mais non, Made in Belgium. Made in Germany. Made in en passe par là. Alors. Deutsche Quality. Deutsche Quality. Alors, qui est le plus susceptible? Qui est le plus susceptible de devenir célèbre? Non, on est en mars. Pour les mauvaises raisons. Il n'y a pas des trucs un peu plus suivants. Je vois Oh my god. Qui est le plus susceptible de rendre de l'argent joué par terre? De le rendre? Soyez déjà contente. Elle dit de toute façon la gueule. 2, 3. Toi, tu vas le rendre? J'ai une conscience de malade. J'ai pas de conscience. Qui de nous trois serait la parfaite victime d'un enlèvement d'extraterrestres? Juste toi. Mais bon, connerie. Je lui raconte des fois des anecdotes de ma vie, mais ta vie, c'est pas possible. Ma vie, c'est un télé-novella. On en a à la 19e saison. On se demande. Dans l'anatomie, il n'y a plus de fin. Un jour, il prend une fin, on sait pas quand. Okay, vas-y. Avez-vous déjà embrassé un inconnu? Un inconnu? Ouais, non. Non, moi non. Ça, je veux savoir l'histoire. Oui, ah oui, mais quand tu réponds, tu nous dis l'histoire. Voyage Leto, Barcelone. Oh, ça raconte beaucoup. Ah, c'était à Amsterdam. Mais c'était en France. Donc, ouais, j'avoue. Je suis même pas allée. Mais on faisait justement une soirée sur la plage. Je peux pas partir à ma première date. Le serveur était plutôt mignon. Oh, il m'a payé en verre. C'est un serveur. Il m'a payé en verre. Voilà. Oui, mais voilà. Tu as oublié. Mais non, quand même pas. As-tu déjà brisé le cœur de quelqu'un? Oui. Mais des fois tu peux le faire sans même le savoir. Moi j'en fais parfaitement conscience. De moi. Oui mais toi. Ah ouais, non, si. Je me dis en fait t'as fait. Ah ouais, comment tu as fait? Bah, le gars qui arrive qui dit j'ai des sentiments pour toi. Et toi t'arrives, mais moi aussi j'ai des sentiments pour toi.
Mais Amika, ça, c'est bien. Vas-y, raconte. On flirtait, vite fait. Mais on flirtait depuis le début de l'année après. Il s'est mis en couple avec une fille et il a pas arrêté de flirter avec moi, tu vois. Déjà là, ça craint. Mais moi, j'aime bien avoir de l'attention. C'est pas pour autant que je m'attache. Je m'attache à l'attention que tu me portes, pas à la personne. Et un jour, il m'envoie un très très long message. Écoute, il fallait vraiment que je te parle. Tantôt encore, je t'observais à l'arrêt de bus. Et déjà là, j'étais en mode. Ça va pas. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Et il dit, il fallait vraiment que je me confie à toi, c'est la première fois que je ressens quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un. Et là, j'ai pas répondu. Je l'ai laissé en vue pendant 4 jours jusqu'à ce qu'il supprime le message. Et après, j'ai envoyé ma cousine qui m'a dit, comme j'étais mineure et qu'il avait 6-9 ans, je me forçais, il est en tôle. Ça, en fait, j'avais 17 et 19. Bah, ça va, l'age gap est pas trop. After that, I break his heart. Alors, as-tu déjà été dans une relation sérieuse? Non. Es-tu déjà sorti avec quelqu'un pour ne pas être seul? Marie? Cool. On doit être seul que mal accompagné. Hein. Yeah! Mais non, ça a duré 10 minutes. 10 minutes? Wow. Non, c'était chronométré. C'était un petit qui est là. Il avait 2 ans de moins que moi. Comment ça, c'était un petit? Ça faisait plusieurs fois que j'allais m'asseoir sur ma tante, on se voyait à chaque fois, et lui, ça faisait plusieurs années qu'il était amoureux de moi. Premier jour, on était dans les marques, il m'a dit, allez, s'il te plaît, on se ensemble. J'ai dit, oui, et après, je suis partie. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est un ton pour le gars, as-tu déjà été largué? Oui, hier. Et donc, moi, en fait, tu parles de mon amour. Oui. Et tu as tiré ce moment par les notes. Rock me, baby. Ah, mais non. That's what she said. As-tu déjà volé de l'argent à un SDF? Non. Je suis quand même pas gros pire. Il est dans la même merde que moi. As-tu déjà craché sur des piétons depuis ta fenêtre? Non. Attends, on veut le contexte, on veut l'histoire, on veut le background. Bah juste en dépit, c'était la fenêtre de ma mère. Et en plus c'était les personnes que j'aimais pas parce qu'un jour ils avaient craché sur la fenêtre de ma mère, donc je leur ai craché dessus. C'est radical. Un jour ma sœur a fait un petit sandwich, tu vois, elle part l'acheter par la fenêtre dans le petit autoroute et si tu voulais pas, elle est tombée comme ça. Mais le saucisson il a volé. Du coup, ma carence n'était pas vrai. Rigopas, tu coulais la paire de cheveux. Le saucisson il est parti comme ça, t'es bon. Rigopas, mais je payais ses collets sur le carreau du gars derrière nous. Je crois l'avoir fait un jour. Quand j'étais petite, je confondais Michael Jackson et Justin Bieber. Déjà là ça va pas, mais j'avais jamais vu leur gueule, donc je les confondais. Et j'ai une amie qui m'a dit, je suis trop fan de Justin Bieber et tout, mon plus grand rêve c'est de le voir en concert, etc. Je fais, tu sais pas, il est mort. Elle me dit, mais non il est pas mort. Il dit si, il est mort. Et j'ai tellement insisté qu'elle a cru que Justin Bieber était mort. Tu la gaslight. Tu la gaslight sans savoir. Tu préfères participer à une émission de télé-réalité ou être sans emploi pendant 2 ans? La télé-réalité, je vais cracher sur tout le monde. Ah ouais. Ah mais moi je te crée le drama. Je vais être en mode. Je vais dépenser Je vais mettre mon meilleur rouge à lèvres et je fais. Non, en fait, c'est ça le truc. Ils vont me garder jusqu'à la fin parce que je suis cette la merde. Là. Tu viens, on va pour ça, c'est le grand sens, c'est la secret story. Ce serait quoi ton secret? C'est elle vient de la royauté. Non, pas un secret là maintenant qui est plausible. Plausible, toi.
Elle a été déballée. Un vrai secret. Elle a été unboxée. Non, je ne suis pas unboxée. J'ai un vrai secret de là maintenant qu'on pourrait sortir. I never broke up with a 16 years old guy. Hera. Hera, mon cœur. Non, ne parle pas. Osiris. Où tu viens ouvrir le colis avec moi? Mouniou, mouniou. Mouniou, mouniou, mouniou. Allô? N'est-elle pas charmante? N'est-elle pas charmante? Les paillettes, elles sont glissées. C'est magnifique. Benz? Rappelle-moi quelle heure il est. 10h44. Et qu'est-ce qu'on est en train de commander? C'était le Mexicain. Exactement. Ah putain, 10h44. Bien comme un porc à la poteau. Ah, il y a mon sac tout au-dessus, il est trop beau. Plus grand que je ne pensais. Ça, c'est mon pote. Dis-moi, je vis. On voit que c'est devenu des rails, ils font plus leur boîte noire, c'est quoi cette merde? C'est peut-être parce que c'est Amazon. Zalando. Mais moi j'ai toujours repris mes conversions Zalando, j'ai toujours mes boîtes noires. Regardez-moi cette magnifique tête. C'est des escarpins. De Nike! Oh, elle est trop belle la boîte noire! Oh my god! C'est un basketteur quoi, c'est pas le basketteur qui est mort. C'est Jordan. Petit anafirme. Oh my god, they are fabulous. They are beautiful. Oh my god, I have tried it. Et ça, c'est mon petit sac. Je vais le prendre. Oh, it's definitely so cute.